Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multigaming, c'est Béné, on se retrouve pour le 8ème épisode de Metro Last Light, donc on va continuer. Alors, au sombre, la neige à la surface commence à fondre. Les Drezin sont maintenant rejointes par les bateaux. Et les pêcheurs, l'un d'eux est apparu juste à temps. On va bientôt arriver à Venise, il y a des chances que Pavel y soit déjà. Ok. Je pêche pas dans ce tunnel d'habitude. Mais je me suis dit que ça pourrait mordre pas mal par ici. Oh putain. J'ai un crampon dans la rentre quand il me le dit. Ok. Ce tunnel mène à la place de la Révolution et à la ligne rouge. J'ai vu un bateau venir de là aujourd'hui. C'était des gars costauds, pas des réfugiés. Ok. Pas de bruit. Elle n'aime pas ça et on est chez elle. Ouais, t'as vu? Elle reste tranquille. Doucement, doucement. On vous veut aucun mal. On sait pas depuis quoi elles ont muté. On les appelle les crevettes. Elles sont moches, mais très bien. Surtout avec de la bière. Ah, dégueulasse. Oula. Il faut pas les attaquer. Faut attendre. Oh putain. Un petit peu. Ok. Dégage. Putain. Dégage. Ah putain. Bah t'es trop tard aussi. Oh putain, ok. Ouf. J'ai pas pu le faire avant. Ok. Bon.
ça arrive. On dirait qu'on a de la chance. Nickel. Ok, donc, Venise, la Venise souterraine, une île sur les eaux sombres de rivières souterraines. Les rumeurs qui circulent à son sujet ne sont pas bonnes. Il paraît que c'est un repère de voleurs, mais il y a une chose dont je suis sûr. Pavel a atteint Venise, et s'il n'est pas trop tard, il y est toujours. Ma priorité est de trouver le sombre, mais je dois aussi découvrir les plans de Corbut pour pouvoir les transmettre à l'ordre. Ok. On dirait qu'on a réussi. Hey, tu fais la sieste ou quoi? T'en penses quoi de nos poissons locaux? Ils sont charmants, pas vrai? Ils avaient l'air furax, comme si quelqu'un avant nous les avait énervés. Ouvrez! Les pêcheurs reviennent de la mer! Ouais, je suis pas aveugle. Et qui est là? J'ai ramassé ce gars dans le tunnel. Tu crois quand même pas que j'aurais dû le laisser là-bas, hein? Quoi? Pour me simplifier la vie? Bien sûr que non. D'abord les rouges, et maintenant ça. Et je passe ma vie à ouvrir et fermer la porte. Tu pourrais ramener une fille pour une fois. Et qu'est-ce que tu en ferais si j'en ramenais une, Semenovitch, hein? T'es bien trop vieux pour ça. Au fait, tu ferais mieux de fermer la porte, sinon une bonne femme pourrait venir, habillée en noir avec une faux à la main. Pas de soucis. Semenovitch vous enterrera tous. Salut, Fedor. Abordez bien. J'ai eu que dalle, à moins que tu comptes les crevettes. Et elles m'ont pas vraiment raté. J'ai été sauvé par ce gars, Artyom. Ravi de te rencontrer, Artyom. Merci du coup de main. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les crevettes se sont lancées à nos trousses dès l'embranchement. Mon bateau a failli y rester. Je me demande vraiment ce qu'il leur a pris. Oh, c'est simple. Les rouges sont passés par là pour rencontrer nos... très chers voisins. Ils avaient pas l'air de se soucier du reste. Ah, alors c'est pour ça. Écoute, Artyom, je crois qu'il faut être franc. Venise grouille de bandits. Des vrais saloperies. Ils vont dans d'autres stations pour violer et tuer. Mais ici, c'est plutôt calme. Alors tiens-toi tranquille. Je veux pas de problème. Ok. Simon ! Hey, Simon ! Il faut que je te parle. Bon, est-ce que tu sais où sont nos amis les rouges ? Au bordel, bien sûr. Qui est avec toi? C'est Artyom, le fléau des crevettes. Et vous devriez le voir tirer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que lui. Une fine gâchette, hein? Tu pourrais m'aider à éliminer des sales mecs? Simon, j'en étais sûr. Tu commences à me saouler. Mais ils sont presque tous rassemblés dans l'entrepôt. Si ça, c'est pas une bonne occasion, je m'y connais pas. À nous deux, on devrait pouvoir les éliminer. Je te l'ai déjà dit 100 fois, et je vais te le répéter. Non, j'ai pas besoin d'emmerde par ici, c'est bien compris? Ouais, c'est compris. Ok, bon, je vais devoir vous laisser. Ok. Dans une station criminelle, pourquoi c'est lui le chef? Ok, donc allez. On est à Venise. Donc on va voir. On va le suivre et on va voir si on peut acheter des trucs. Ça va être sympa. Ok. Alors, on fait le tour des environs. Attends. Non, j'ai pas fait le tour des environs. Donc allez, on va faire le tour. Donc on va voir si on peut acheter des choses. Ok. Ça, on s'en fout. Ok. D'ici, on a un sacré savoir-faire. Vous devriez en prendre. Les grenades, c'est super puissant. Vous devriez en acheter. Ce serait bien de pouvoir les utiliser. Je vais... Ce sera plus disponible demain. Ouais.
Ah, je vends tout, on en foutre. C'est super, les grenades incendiaires. Je vends tout, on en foutre. Les règles sont simples. Et voilà la dynamite collante. En position, allez, s'il vous plaît. Venez donc en acheter. Les stocks sont limités. Oh mais je m'en fous. On va foutre. Ok. Y'a que des balles, hein. Un mec qui vend des balles. Y'a pas un mec qui vend des armes. Y'a lui. C'est plus loin là. Allez, ok. Hey, quelqu'un a besoin d'une arme? J'aimerais bien. Pas un mec qui vend des accessoires là. Vendre la viande, c'est fou. Pas des mecs qui vendent des accessoires, hein, ça rien. Oh là là. Moi j'aimerais bien acheter avec que ce mec là quoi. Est-ce que quelqu'un a besoin de grenades ici? Ok non. Ah des cléments, ok. Ouais non, logiquement c'est lui qui devrait vendre des. Truc, mais y'a rien, rien du tout. T'as quoi comme arme, tiens? Tu veux. RPK, oh! RPK! Non, bon, mais tant pis. Allez, on se taille! On se taille! La foudre! On va aller revoir. Revoir comment il s'appelle. Ne faites pas de mal aux filles. Ah. Adresse-toi à ton Mac. Dégage. On n'a pas de Mac ici. Crache le pognon. T'es malade? Ils sont amis avec Kisly? T'en es certaine? Super. Je vais devoir servir ses amis gratos et je devrais lui filer sa part. Très bien, on s'est bien amusé, il est temps de bosser. D'abord, on paye Kisly, et tu vas vite voir le camarade Corbut. Tu lui dis que le conteneur du virus a bien été livré à Optiabroskaya. Eh, hey, mon joli. Allons-y, le travail nous a... Qu'est-ce que... Ça me paraît pas correct. On a signé leur arrêt de mort. T'as trop hâte de me toucher, hein? Pas... Merci, c'était sympatoche. Merci beaucoup pour ta danse. Ok. Oh, c'est sympa. C'est sympa, ces petits trucs, là. C'est... Ça change un peu. C'est bien. Ils ont fait... Au niveau graphisme, il n'y a pas forcément d'amélioration par rapport au premier, mais... C'est qu'au niveau de... Comment dire... La polyvalence du jeu, il y en a quand même un peu. Ça, c'est bien. Ok. Donc là, faire. Qu'est-ce qui se passe? Attention. Soit j'ai des problèmes d'audition, soit. Il y en a un là-bas. Deux. Putain, la vue. Ok. J'ai été con quand même. Putain, je pensais que j'allais pouvoir passer. Je suis fouillé. Ok. Voilà. Qui me tire dessus? Qui me tire dessus? Ok. Il y en a beaucoup. Hein. Dégage, dégage.
Ok. Ok. Non. Ok. Ok. Ah, les munitions. Ok. Bon. Continuons. Il faut retrouver... trouver le traître. Ok. Hop. Au moins c'est discret. Putain merde. La vue de loin hein. Okay. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est moi qui ai un peu plus l'habitude que par rapport au premier, mais j'ai l'impression que les phases de combat sont un peu plus faciles pour l'instant. On dira, on est à la moitié du jeu encore. On va pas trop s'avancer. Et déjà la première partie du jeu est plus facile que la première partie du jeu du premier quoi. Même si c'est pas évident non plus. Après, c'est peut-être le fait que j'ai un peu plus l'habitude maintenant. Allez. Ok. Donc ça, c'est bon. Ok. Je peux pas tirer les grenades. Hein. C'est chelou ça. Attends. C'est chelou. Ça se fait que. Ouais, j'appuie sur L1 là. Non, je sais pas comment on fait pour tirer les grenades. Tant pis. Mais on n'utilisera pas de grenades hein, cette partie. Ok. Bon, je sais pas. Bon, on va continuer. Allez, on va garder ça pour l'instant. Il y a pas des trucs intéressants avant de partir quand même. On sait jamais, des fois. Il y a des choses. Bon, allez, c'est parti. On lâche son arme. Main derrière la tête. Eh bien, quelle rencontre inattendue. On cherche le sombre, hein? Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, Epolis. Mais c'est trop tard. Les sombres sont très forts. Le camarade Corbut va en coincer depuis longtemps. Imagine si on les dresse et si on les lâche sur l'ennemi. Eh, doucement, d'accord, j'ai perdu. Et maintenant, tu cherchais le sombre, pas vrai? Il est tout prêt, à Optiabroskaya. Je peux t'y amener. Pas d'embrouille cette fois. T'as ma parole. Tout le monde à terre, vite! Artyom! Non! Ok. Merde! Il s'est enfui! Pourquoi t'as... Il s'est barré. Tout seul. T'aurais dû essayer de m'appeler! Bon. T'as réussi. Mais tu vas devoir dégager de là en vitesse. Je connais une issue qui mène à la surface. Il y a un marais. Mais on peut le traverser. Allons-y. Voilà, on va le suivre. Donc on a retrouvé, le traître. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Pavlev, un truc comme ça. Allez. Ok. Enfile ça, c'est pour les bandits. Ok. Ok, j'ai gagné 5 minutes.
Ok, donc, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Petit épisode, c'est vrai. Mais ça compense un peu l'épisode de la dernière fois. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Metro Last Light. Allez, peace, prenez soin de vous. Like